Bonjour, je vais vous faire aujourd'hui une recette de beignets au thon et aux pommes de terre. Il va nous falloir à peu près 400 g de pommes de terre qu'on a cuit à l'eau pendant au moins 20-25 minutes, une botte de persil, un oignon bien écrasé, 400 g de thon, un œuf et deux kiris. Voilà. On va mettre tout ça dans une jatte, dans un saladier. On met les pommes de terre dans le saladier. Voilà, on écrase bien avec la fourchette. On rajoute le thon. Puis le persil. L'oignon. L'œuf. La vache qui rit et le sel et le poivre que je vais rajouter. Voilà, vous mélangez bien tout ça à l'intérieur, bien. Une fois terminé d'écraser, vous prenez une assiette de farine, voilà, vous prenez un peu de farce et vous formez avec votre main un rond plat, voilà, environ comme ça. Voilà, prenez votre main, formez un rond plat. Voilà, comme ceci. Vous la mettez sur la farine, vous trempez ça sur la farine. Voilà. Et après, vous le mettez dans l'assiette. Vous faites ça jusqu'à la fin de la paille. On doit obtenir ce résultat-là, à la fin. Maintenant, on va faire cuire ça sur une poêle avec de l'huile. Vous faites cuire ça sur la poêle. Après, vous retournez dès que c'est cuit en bas, dans les deux faces. Dès que c'est cuit, vous tournez dans l'autre face. Voilà, vous aidez comme ça. Voilà, vous tournez et vous laissez cuire. Vous mettez bien les galettes sur un papier absorbant pour bien absorber l'huile, surtout. Voilà, vous obtiendrez ce résultat. J'espère que la vidéo vous a plu et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.